équipe. Attends. Et c'est la meute, on est parti pour la deuxième mission stylé, de Halo 3. 4. Pardon. Halo 4. Le 4 parce qu'Halo 3. Halo 3 on l'a déjà fini. Il serait beau Halo 3. Ah bah oui, bah le 4 devrait être encore plus beau. Comment tu vas mon petit Mimio? Il faudrait que tu réinstalles Halo 5, comme ça tu viendrais jouer avec nous. Pour let's play. Moi ouais, j'avoue. Bah moi c'est ce que je vais faire là, par exemple, j'ai dû avoir besoin de place, j'ai dû enlever Halo 5 parce que j'avais besoin de Master Chief Collection quand tu me le demanderais, tu vois. Donc j'ai dû en sacrifier. Bah de toute façon, une fois qu'on aura fini Halo 4, moi je vais désinstaller Master Chief Collection pour pouvoir installer c'est ça, l'autre. C'est parce que j'ai plus de place sinon. C'était l'idée. J'ai plus de place, j'ai pas assez de place. Ah, j'ai dû enlever ça, tu vois, quand je faisais plus Halo 5 en attendant, vu que tant qu'on termine Halo 4, j'ai le temps de l'enlever, de réinstaller ce que je veux, j'en ai besoin pour remettre mon. Que regarde, avec Call of Duty Black Ops, avec. Comment il s'appelle l'autre entre Black Ops 4 et l'autre, comment il s'appelle? Oh, j'ai bouffé le nom. Et Red Dead Redemption par exemple, ça bouffe beaucoup trop de place. Cortana. Tout Red Dead, j'imagine. J'ai été mise en service il y a 8 ans. 8 ans. Déjà. Bah ouais. Major, une IA se dégrade au bout de 7 ans. Alcée. Major. Il faut trouver Alcée. Major, écoutez. C'est vrai qu'Alcée, elle pourrait. Elle vous a créé. Elle saura quoi faire. Je n'échapperai pas à la frénésie, Major. Il suffit de rentrer sur Terre et trouver. C'est vrai qu'en plus, elle avait raison, Alcée, elle aurait pu corriger ça, mais bon. Ne faites pas de promesses. Ouais, t'es capable, je buvais. Mais j'ai essayé d'écouter les cinématiques en même temps. C'est pour ça. Non, t'inquiète. Non, c'est parce que je me suis souvenu de ce qu'il disait, tu vois. Alcée, elle trouverait le moyen, tu vois. Après, elle est pas encore morte. Dans le 5, elle est pas morte. On la sauve. Non, non, dans le 5, elle a juste perdu un. Ouais. Pourquoi? C'est juste Julen Dama, je pense qu'il doit couper. Le premier, ouais. Je crois qu'il y a un élite ici à saigner ou un grognard. Ah oui, je vais t'assassiner. Je suis désolé, tu vas mourir, mais je vais te tuer propre. Le fada. Il est complètement fada. Je crois que dans ton live, ils vont se dire que c'est un psychopathe de l'assassination. T'entends juste le faire, le mec là. Ça fait un peu porno quand même. Hein. Hop, je recharge mes armes, c'est bon. Nah, tu sais, j'aime bien les grognards. Donc. Faut bien satisfaire comme on peut. Ça tente un sniper parce que je me souviens qu'il y en a un ici. Bah pour l'instant j'ai pris le truc à énergie là. Ah merde, tu m'as pas laissé le temps de prendre ma saut. Je vais essayer de trianguler sa position. Dommage. Ah je suis dead. Waouh. C'est lourd hein, surtout là où on va arriver. Oh j'avais oublié. Pareil. Alors si je me trompe pas, je crois qu'il y a Warthog qui va être juste à côté. Ouais, il y a un Warthog, je pense que tu peux retourner et il y en a un dans le garage. Des Warthog. Et en bon état. Je vais aller dans le garage, y'a pas des armes ou quoi? Si, un petit DMR. Non, munitions. Ah, c'est là. Moi, contre le mur. Par contre, t'as bouffé toutes les munitions. Vas-y, je pilote. Mais je préfère piloter. J'ai pas confiance, bizarrement. T'es sûr? Parce que moi. Ouais, mais t'inquiète pas, de toute façon, pour le dos, on a pas beaucoup d'ennemis donc. Mec, t'as pas confiance, là t'auras le 4, t'as à faire. Ouais, mais j'ai quand même. Attends, ralenti, stop, c'est ici. Putain. De mon état. Quoi? Tu m'as. Regarde, normalement c'est ici qu'il faut sauter dans le vide, là. Tu vas voir. Je ne vous trompe pas, c'est là. Sujet. Quand tu sautes dans le vide, là, à la bonne heure, tu verrouilles le truc. De quoi, ici, là? Je crois bien ouais, être la bien sûr, tu meurs, mais t'as le truc, c'est. Ouais. Ouais, tu regardes l'heure qu'on regarde après. Je suis un clone du docteur Alcée. On devrait pouvoir rétablir mon réseau neuronal en reproduisant. Fais-le pas, parce que ça marche pas, il n'est pas l'heure. Mais pour ça, il faut que je retrouve Alcée. Vite. Ah non, là, trop vite, elle est beaucoup plus forte que les autres. Ah bah, ça c'est sûr. Alors, j'ai hâte honnêtement qu'Infinity sort. Alors, quand Infinity sort, honnêtement, on se le fait dès que. De toute façon, de base, moi je vais prendre la Scarlett. Dès qu'elle sort. Scarlett et la 5, je vais les deux consoles qui vont sortir, je vais les prendre à leur sortie. Parce que l'avantage, c'est que ces deux consoles auront tout leur kit rétro d'activer. C'est-à-dire PS5, tu auras tous les jeux PS4 qui seront compatibles. Et Scarlett, tous les jeux de One et de 360 ont déjà été annoncés comme compatibles. Donc ça, c'est cool. Bon, par contre, ça sera en démat. Donc faudra faire gaffe. Ouais, par contre, l'avantage c'est que derrière, tu commences déjà avec un line-up énorme. Donc, moi ça me changera aucunement mes projets déjà en cours sur One.
Que par exemple la Scarlett, c'est la prochaine qui sort. C'est la première qui sort, la Xbox. Et donc Infinity, quand il sortira dessus, je le prends direct. Bah pourquoi tu... Bah, en fait, tu sais, j'ai un Warthog, il sert pas à rien. Hein. Non mais c'est pour les ennemis, après je vais faire les premiers grognards. Ouais, parce qu'en fait, tu vas me demander pourquoi je me tue chez Statistique. Parce qu'en fait, ces enfoirés, ils cherchent des gosses ou des armes lourdes. Tu vois ce que je veux dire? J'ai pris le gosse à l'élite avant qu'ils le prennent. J'essaie de te choper un autre ghost, tu restes en haut. Est-ce que c'est comme tous les élites, ils vont foncer en premier sur les véhicules quoi? Ouais c'est ça, c'est pour ça que j'ai tué les premiers grognards, ils auraient tout de suite, c'est eux les pires. Attends, on ira pas aller très loin parce qu'après avec des boucliers ici. Hop, tourelle elle est pétée, le petit grognard ici il est fait. Il y avait un truc, je me rappelle que tu pouvais passer avec ton véhicule, mais il fallait être coincé contre un mur. Regarde, fais voir ce que je peux faire. Attends. Ah, c'est pas passé. Fais voir, détruis le poche, je te le repasse. Fallait se mettre comme ça, je crois, et ensuite fallait tourner. Fallait mettre d'abord la première aile. Après, laisse tomber, parce qu'après, avec tout le passage, on va perdre du temps après pour rien. On peut toujours demander gentiment. Ouais. En fait, Halo 4 et Halo 5 se ressemblent beaucoup. À part que Spartan Locke va sur d'autres planètes aussi sympathiques. Mais je veux dire, sinon ça ressemble beaucoup. Comme ça reste sur les tout l'univers un peu prétorien. Donc. Ça va, ils sont restés sur le même design. En fait. Ouais. Après, c'est un peu logique aussi que c'est les mêmes. C'est des planètes avec les mêmes technologies. Par contre, tu vois la différence graphique énorme quoi, entre le 3 et les autres. Ah, tu sens bien, hein, tu sens beaucoup mieux. C'est vrai que les autres, pour en tant que puriste, on aime bien les Halo, mais c'est vrai que quand tu pars sur un jeu comme ça. J'ai mis une mission quelque part ou une nouvelle arme, parce que c'est un peu assez. Attention! Ouf! Je vous tape pas devant moi. C'est son module de camouflage. Allons voir ça. T'inquiète pas. Ça aurait été de ma faute. Je vais le connecter à votre armure. Cool. Ça pourra toujours vous servir. Hey, j'ai trouvé une épée, tu l'as pas prise? Non. Tu sais que je te vois. Encore ce signal. Ton camouflage. Oui, cette fois j'ai entendu. Wow. Je crois que c'est là qu'on va se taper que... Ah, ils sont alliés. Ils me demandaient quand nous allions les voir. Mais je sais plus ce que c'est cette station déjà. Là, je crois que c'est pour activer les communications, non? Je crois. C'est un cartographe local. Du monde bouclier Forerunner appelé Requiem. Requiem. Au moins nous savons où nous sommes. Voyons si ça peut nous dire ce qui intéresse tant les Covenants. Mince. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas. Il s'est verrouillé. Je vais sur celui de droite. Situation d'énergie en différents endroits. Je mets invisible comme ça. J'espère que nous allons trouver un moyen de réactiver ce. Je pense activer le truc en priorité. Oublie pas d'activer le pont surtout. Ouais bah c'est ça que je parle.
C'est bon, mon côté s'est activé. Qu'est-ce qui se passe? C'est rien. Moi, le pont est activé, je vais activer la lumière. Ouais, par contre, oublie pas que t'as un ascenseur. Ouais, t'inquiète, je suis dessus là, je viens d'activer le. La passerelle. Oh oui, il y a l'autre. C'est vrai que j'ai oublié qu'il y avait le. Bah, c'est là où il y a le gamin du film. Ouais, l'Infinity, le commandant, Tom Lafitte. Ouais. C'est pour ça que j'aime bien le Major, lui, il s'entend bien avec lui, mais c'est vrai qu'il a quand même sauvé la vie quand il était gosse, quoi. Il y en a toujours un qui est devant moi. Il va mourir en boucle, tu vois. Bah, c'était du côté, en fait. On avait dit qu'on prenait. Non mais c'est une fois qu'on a fait le truc, après on va pas rester tout le tour sur la map gauche, map droite. Ouais non, t'inquiète pas, on était au début, tu vois, c'est pour ça que je disais pas. Après si je meurs, hein, c'est pas grave. Hein. Parce que vu que t'as beaucoup tendance à vouloir faire du corps à corps, et que si moi j'attaque pour une fois au mec au corps à corps... Bah c'est comme la difficulté elle est pas non plus très élevée, tu vois, j'en profite un petit peu quoi. Ah, mais c'est surtout pour éviter que tu passes devant moi et que j'en mette une quoi. Ouais. Il y en a encore un, je crois. Plusieurs. Donne-moi les balles toi. Par contre j'ai plus de balles de fusil d'assaut. Merci. Il y a presque plus de balles tout court en fait. C'est encore. Voilà, peut-être que je mets un pistolet. Tiens. Le cartographe se comporte comme si la transmission provenait de toute la planète en même temps. On ne peut pas trianguler le signal de l'Infinity. Ça y est, je l'ai. C'est impossible. Recommencez. Nous avons déjà traversé une couche de la surface planétaire. Il n'est pas impossible que quelqu'un ait pu réussir à descendre plus profond que nous. La planète serait creuse. Voyons voir si je peux trouver un moyen d'arriver sur ces coordonnées sans qu'on ait à creuser un énorme... Terminus se trouve à l'opposé du complexe. De là, on se téléporte vers le noyau de la planète. Quoi? Je sais pas. Si on a une chance de vous ramener sur l'Infinity... On tente le coup. Okay. Elle commence à avoir des doutes sur tout, la pauvre. Ça aussi, ça me rappelle un vieux Halo. Le premier, avec les ponts. Ouais. Ça. Ils ont repris le même modèle. Je crois qu'il y a un... On peut utiliser des... Ouais, voilà. Il y en a des gemmes pour moi ou...
Bah j'en ai trouvé qu'un pour l'instant, donc je peux pas dire. Allez, par contre là faut que tu changes d'arme pour utiliser le lance-roquette. Attention, je pense les mines. Ah c'est con parce que je sais comment les voler, il faut juste qu'ils s'approchent de moi suffisamment. Je viens me voir toi. Ah, il veut pas m'approcher. Je sais ce que je vais faire. Il m'a éjecté le bâtard. Il m'a éjecté. Vas-y, mets-toi derrière moi. Tiens. Mon bouclier. Ah ouais, je ferais que j'en ai un. Comment on active ça déjà? X. Ah ok. Ah oui, je m'en rappelle de cette partie. Ah non, je voulais me le faire mettre dans le dos le mec. Putain, tu me les... Sérieux? D'ailleurs, je suis laissé les assassiner, toi tu me les voles. Tiens, j'ai un véhicule si ça t'intéresse. Attends, c'est quoi une mangouste? Bon, on va voler un autre, tiens, il est en bas au milieu. Ah, ah nickel. Je crois qu'il y a des bazookas de la côté. Je crois que ça me dit quelque chose. Ah ouais, ouais, c'est là les armes, tu vois. Attends, je démob un peu. Des sauts? Ah bah j'arrive. Tu veux que je te la donne ou bien? Tiens, vas-y, je t'ai fait un ghost. T'as quoi comme... T'as quoi comme arme là-bas? Ah, t'es là. Viens, tiens. J'ai une saut là. Je garde mon arme de précision. Oh, nickel! Ah, je te remercie l'arme que t'as lâché. Il me fallait... je voulais des armes de précision. Nice. Moi, j'ai l'assaut et l'assaut de base. Oh, bah nickel, merci pour le deuxième véhicule. Ouais, c'était un grognard, donc facile à tuer. Nickel. Oh, attention, il y a... Je suis en priorité, mais... Il y avait un lance-grenade commun, si ça t'intéresse. Non, c'est bon pour l'instant. T'inquiète pas, je fais le taf. Je préfère te demander, on sait jamais. Ah, par contre, là, on va avoir des deux chasseurs, je crois. Non? Bientôt? Ouais, exactement. Attends, avance pas trop vite qu'on perde pas nos véhicules. On peut monter si on casse les ailes. Ah bon? Ouais. Si tu tournes de biais quand t'as cassé les ailes, tu peux monter avec le véhicule. Ouais, voilà. Ah ouais? Attends, je passe en mode compact. Attention, lui là. Ça sent la mine vers toi. C'est mort, je suis réalité. Ouais, j'ai vu. C'est pour ça que je me suis décalé sur le côté. Attends, je prends la droite, il y a des ennemis aussi. Allez, je me rappelle qu'ici aussi, si tu charges un tir de trucs de grenière, ils sont là au début. Tu te fais paralyser. Toujours en légendaire, c'est assez galère, tu vois. Donc, c'était une petite technique que j'avais trouvé pour pas trop galérer en légendaire. Comme ça, t'es comme mis tes balles, surtout en plus. Parce qu'en légendaire, tu passes tellement de balles pour buter un mec. Bon, à droite, je suis au premier étage là. On était deux, puis on avait trouvé cette petite astuce là. Ça m'a pété. Je crois qu'il y a des bazookas covenantes dans les pièces. Ouais, mais le problème, c'est qu'il m'a pu. Ah! Désolé. Je veux bien t'aider, mais... Non, c'est au moins que je récupère l'assaut. Je pense qu'ils sont en haut, fais attention, viens, je pense qu'il y a des bazookas ici. Tu vois. Je sais plus où ils sont. Non, mais t'inquiète, après, de toute façon, j'ai déjà deux grenades collantes. Ça doit être en haut. Ah, par contre, je crois qu'à partir de celui-là, on n'a plus les grenades de brut maintenant. C'est grenades à particules. Ah, ouais, j'en ai un, pas vite. Allez, vite, vite, vite. On va jouer, toi, moi. Lui, il est bien abîmé en plus. Attends, j'ai collé une grenade. Merde, raté. Nice. Nickel. En plus, attends, on peut pas leur arracher leurs bras dans celui-là?
Je crois qu'on peut les assassiner si on tape bien ou un truc comme ça. Parce que je me rappelle, c'est pas dans ce... c'est dans celui-là ou c'est dans le 5 où tu peux avoir le bras du... C'est dans celui-là. Dans celui-là. Déjà, ouais, ils ont dans celui-là, déjà, ils ont tellement amélioré le graphisme et rajouté tellement d'armes différentes. Par contre, t'as pas mal qui ont disparu, quoi. Ah oui, il a juste le fait de courir. Une énorme différence. Après, la map, elle a tellement augmenté, aussi. Hein. Tu sais, c'était quoi le... Comment je vais dire ça? Je crois qu'il y a un truc en dessous, frère. Il y a un truc pour les données. Attends, j'arrive. Tu passes en dessous. Ah oui. Celui-là, il m'a tellement blasé la première fois. Ah oui, mais putain, mais j'oublie que ça m'envoie toujours sur Halo Waypoint. Ouais, moi aussi, ça m'a envoyé, mais moi non plus, je l'ai pas installé. Ouais, bon, après, au moins, ça t'active le succès, si tu l'as pas. Mais je crois que je l'avais, parce que ça m'a rien mis de données encore. Ah si, sinon, succès, j'ai rien dit. Guerre. Vous avez activé un terminal dans Requiem. Même si t'as pas... Un terminal 1 dans Requiem, plutôt. Même si tu vois pas la vidéo, t'as quand même... Requiem, ouais. C'est tellement stylé quand les trucs se referment en bas. Avec la lumière qui éblouit. Lève pas tes yeux. Jésus, trop tard. Je suis aveugle. Ouais, donc je te disais, tu vois, normalement, tu sais que tu sais l'excuse qu'ils ont trouvé pour le faire courir dans celui-là, que l'endommagement de son armure. Ah, vu que son armure est abîmée, donc elle est plus légère, donc il peut courir. Ouais, c'est ça. Moi, normalement, la course, elle est bridée. Moi, j'aurais dit plutôt le truc qui était facile pour eux. Ah, c'est là où ils vont apparaître les premiers. Si je ne me trompe pas. C'est là où ils vont apparaître les premiers. Ouais, c'est ça, les chevaliers, ouais. Parce que surtout, le truc qui va être un peu cheaté, c'est surtout que comme les maps vont être de plus en plus grandes, ils étaient obligés de rajouter ça, sinon le mec passerait plus de temps à marcher pour aller à l'objectif qu'autre chose. Bah c'est ça, surtout que la map elle est bien grande. Il est plus là pour l'instant, un mobiste mieux. Non, c'est pas maintenant les chevaliers, si je me trompe pas. T'es sûr? Ce doit être l'infinity. Non, parce que je sais que la première fois qu'il en voit un, il va lui sauter dessus. Là, c'est un portail qu'on va nous ouvrir. Les chevaliers, on le voit pas encore tout de suite. Hein. À moins qu'on prenne le portail avant, mais ça serait étonnant. Là, ils vont apparaître, mais ils vont pas nous attaquer. Tu vois? Celui qui nous attaque, je crois qu'il est dans une vallée et puis il va nous plaquer au sol. Non mais non, regarde là, ils apparaissent. J'ai pas dit comme quoi, voilà, mais genre les premiers temps, ils apparaissent là. Ah ouais. Non, les gros chevaliers, chevaliers, c'est quand ils vont nous sauter dessus, ouais. Ouais. Chou. Le major est en mode, je tue lequel?